cette nouvelle vidéo. On se retrouve dans un vlog. Ça fait 2 ans que j'ai pas fait de vlog. C'était un weekly vlog le dernier et ma vie a vraiment changé depuis. Donc voilà, j'avais envie de reprendre. J'étais pas sûre, je savais pas trop si ça allait plaire ou pas, mais moi j'ai envie de le faire, donc je le refais. Voilà. Et alors désolée pour la qualité là, j'ai fait son et ensuite je suis avec mon téléphone parce que j'ai oublié de mettre ma caméra à charger. Donc elle est en train de charger et atchoum. Et je la reprendrai après en fait quand la batterie sera pleine. Et voilà, du coup le programme de la journée c'est de faire du ménage et du rangement. On est lundi, j'ai pas fait de rangement hier parce que la nuit de samedi à dimanche avec la pleine lune et le changement d'heure, c'était une cata, j'ai presque pas dormi. Le petit s'est réveillé toutes les 3 heures. Donc hier ça a été tranquille, j'ai juste rangé mon bureau quand même parce que j'avais envie de retrouver un espace de travail. Et voilà, mais voilà, donc en gros ça va être ménage, il est 10h passé, je suis arrivée depuis 4h ce matin, j'ai une flemme pas possible, mais bon, demain c'est Halloween du coup, donc demain soir on va se faire une petite soirée film comme tous les ans, et mercredi c'est férié donc j'ai envie de profiter en famille. Donc voilà pour aujourd'hui et si le temps s'éclaircit, qu'il ne pleut plus cet après-midi, on ira peut-être se balader et voilà. Je suis vraiment pas motivée mais de faire un vlog ça m'aide vraiment, je me dis bon au moins j'ai autre chose à faire quoi que le ménage, ça me motive et puis voilà. Et là on est sur un petit bébé qui a les dents qui lui font mal donc petit chat, c'est compliqué. Mais bon, du coup, je vais vous montrer l'état des lieux. J'ai pas envie. Donc, dans le salon, on est sur une table pas débarrassée du petit déjeuner, sur un siège auto qui traîne parce qu'on a fait les courses, sur un tapis que je n'ai absolument pas rangé. Que je n'ai absolument pas rangé hier. Là, on a des sacs qui traînent, des cartons que les chats ont fait tomber. Bon, là, à la limite, c'est surtout du rangement plus que du ménage. De l'autre côté, vraiment, la qualité de la caméra, ça n'a rien à voir avec mon appareil photo. On a encore un siège auto ici que j'ai pas enlevé. On a du linge qui doit pas être tout à fait sec. On a des poubelles là à vider, enfin à sortir. Là aussi on a des poubelles à sortir, un lave-vaisselle à ranger, enfin de la vaisselle à ranger, de la vaisselle à mettre au lave-vaisselle, passer un coup sur les plans de travail et un coup d'aspirateur. Voilà, je suis pas motivée, je vous cache pas que je ne suis pas motivée. Coucou mon chien. En fait, il y avait juste un truc qui était bouché au niveau du fil. Faire la vaisselle tous les jours avant chaque repas pendant des mois, ça m'avait pas manqué. Ouais. Bah ouais, c'était pas cool du tout. C'est la première fois dans cette maison qu'on a un lave-vaisselle. Enfin, s'il était fait. Et là, pendant des mois, plus de lave-vaisselle. Wow, c'était compliqué. Je suis bien contente que ce soit juste une question de filtre et qu'on ait récupéré notre lave-vaisselle, clairement. Je pense que je vais pouvoir reprendre davantage les vidéos, je suis super contente.
En fait, filmer, c'est pas un souci, c'est vraiment au niveau du montage, quoi, vu que j'ai toujours le petit dans les bras, et qu'il faut toujours qu'il soit bercé, etc. Enfin, c'est vrai que faire du montage, faut se poser, quoi, donc c'est compliqué. Là, bon, je n'ai pas envie de parler trop vite parce qu'on sait comment ça se passe, mais en tout cas, ça fait quelques jours. Il demande en fait à être posé, qu'il ne veut pas forcément venir dans le porte-bébé ou dans les bras. Il m'a même fait 4 siestes tout seul. J'ai parlé trop vite. J'ai clairement parlé trop vite, quoi. Parce que. parce que j'étais en train de dire ça et il s'est énervé pour venir dans le porte-bébé. Après, c'est bientôt l'heure de la sieste, alors il a besoin d'être dans les bras. Mais globalement, c'est mieux depuis quelques jours. Après, qu'est-ce qu'il y a? Évidemment, tu vas me sauter là, faire un peu de foot. Après, franchement, j'ai pas envie de faire ça le soir parce que je pourrais faire des trucs le soir. Mais le temps qu'il s'endorme vraiment bien, je le pose dans son lit, il est 21h. Et moi, je suis souvent réveillée vers 4-5h, bon, allez, 6h max. Et je me rendors pas forcément et j'arrive pas à faire de sieste la journée. Donc, j'ai clairement pas envie, en fait, à 21h, de faire du montage pendant 2 heures ou du ménage ou quoi que ce soit. Les journées sont déjà bien assez remplies comme ça. Donc voilà quoi, en gros. Là, je suis en train de faire le linge. J'ai encore les canapés à aspirer. Je dois mettre le robot en route. Il faut que je le vide et qu'il passe un trou avant moi. Après, il faudra que je passe l'aspirateur. Que je sorte les poubelles. Je crois que j'ai dit tout à l'heure ce qu'il y avait à faire. En tout cas, j'ai pas fait grand chose à part ramasser 2-3 trucs. Passer un coup sur le plan de travail et un coup de vaisselle. Voilà, c'est tout ce que j'ai pu faire ce matin. Mais bon. Ah, c'est ça. Mais ouais, c'est pas simple. En hiver, là, automne-hiver, vraiment, les vêtements minants pour sécher. D'ailleurs, j'ai dû descendre l'étendoir à linge parce qu'en fait, bah, pareil, monter une grosse paillette de linge avec mon bébé dans les bras. Ils m'ont dit que j'arrivais pas en fait, et du coup, je prends un retard monstrueux dans mon linge. Je me suis dit, c'est bon, il y en a marre, tout est descendu, et puis on verra bien comment s'organiser plus tard, quoi. Enfin, voilà. Je vais vous raconter en fait, je sais pas trop ce qui vous intéresse. Donc, vous avez des sujets, des conversations, des choses qui vous intéressent, que vous avez envie que je vous partage, bah. Le mois, c'est vrai que ça fait longtemps que je fais des vidéos comme j'ai l'habitude de le faire ces derniers temps, ces dernières années, je sais pas trop quoi raconter. Il y a un seul souci des blogs, c'est que j'ai pas une communauté suffisamment grande pour savoir ce qui peut intéresser les gens en fait. Perso, j'aime bien regarder les blogs des gens que je suis. Parce que ça m'intéresse en fait, ce que je ne suis pas, je vois pourquoi j'ai regardé leur vie quoi. Donc bon, voilà, si vous avez des sujets de conversation, des choses qui vous intéressent, n'importe quoi, et bien pas de soucis, dites-le moi et puis j'essaierai de meubler un petit peu quoi, de faire la conversation parce que. C'est vraiment pas évident du tout. Voilà. Le linge est plié. Il n'y aura plus qu'à le ranger tout à l'heure quand je monterai.
J'ai vraiment l'impression aujourd'hui que j'avance à rien en fait. Donc plus j'en fais, plus il y en a à faire. C'est vraiment une journée de retard quoi. Oh bah oui, on voit la différence quoi. J'ai un truc, mais en fait il y a encore d'autres trucs, et en fait il y a encore d'autres trucs, et en fait il y a encore d'autres trucs. Et ça ne s'arrête jamais. Vraiment je vois pas le travail diminuer quoi. Mais bon, j'avance quand même parce que ce que je fais, bah c'est plus à faire. C'est pareil, les poils d'animaux, regardez-moi ça là. Si on fait pas une journée, c'est incroyable. Hein. Soit par terre ou sur les canapés, c'est vraiment un truc de vin, quoi. Donc vraiment, ça. Hein? Hein, Newton? La boule brossée, faire ses poils, quoi. Bon, du coup, on en est que j'ai nettoyé le plan de travail, que j'ai plié le linge, j'ai fait la vaisselle qu'il faudra ranger quand elle sera sèche. Il y a encore ça qui traîne et c'est pas mon bazar. J'ai ça à ranger, faut qu'on installe son porte-manteau, comme ça on va pouvoir lui mettre ses petits manteaux. Là, j'ai des sacs à ranger, mais c'est le bazar là-dedans. En fait, c'est surtout du bazar. Mais ça m'énerve. Là, l'aspirateur robot est en route. Il y a les jouets du chien. Bon, mais c'est pas grave. Voilà, il y a encore pas mal de choses à ranger. Un bon coup d'aspirateur. En fait, je pense que ce sera bon pour aujourd'hui parce que. Parce que j'en ai marre, tout simplement. En plus, le petit bout est réveillé. Il a pas l'air d'avoir faim, mais ça devrait pas tarder. Moi j'ai faim par contre, donc on va plutôt essayer que je mange en premier. Et puis au pire, je terminerai après. Et voilà, il est pas midi, mais j'ai très très faim, comme toujours. J'ai aucun retour caméra. Mais bon, c'est pas grave, j'en essayerai dans une caméra de vlog si je vois que ça fonctionne. Pour l'instant, cette caméra là me suffit largement pour les vidéos que je fais habituellement. Et voilà, du coup je vais aller manger.